Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui devrait être le dernier de ma série sur Ridge Racer 7. On va lancer les événements uniques, on va voir exactement combien de temps ça me prend. Ça va dépendre aussi si toutefois j'arrive à tout faire d'un coup. Si j'y arrive pas, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. J'espère y arriver d'un coup quand même, ça serait pas mal. Alors, voyons, j'ai celle-là qui est déjà à 250. Alors, voyons voir. Celle-là, je peux la prendre. Garage, pièce extérieure, on s'en fout. Modification du moteur, on va le prendre. Le Zolgir, voilà. Pneus et suspension. Je crois que c'est celui-là qu'il faut mettre. Oui. Ouais, 12 plus 3, parfait. Nitro, on va mettre le général ressource, c'est quoi déjà? L'auto-charge, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis unité d'extension, je n'en ai pas. Donc on va laisser ça comme ça. On va lancer. Et ben c'est bon, on lance la course. Donc, j'espère réussir à gagner très vite ces trois événements uniques. Voilà, que ça ne pose pas trop de problèmes. De façon à pouvoir lancer le... ça y est, j'ai perdu. Le Grand Prix, le dernier Grand Prix. Enfin, ce qui devrait être le dernier Grand Prix, s'il n'y en a pas d'autres de débloquer après. Alors, si toutefois c'était le dernier épisode, j'espère réussir, moi, à avoir... à avoir eu Grid 2. Qui est sorti hier normalement, si j'ai pas rêvé au niveau des sorties, il a dû sortir hier, sinon c'est la semaine prochaine, donc j'espère l'avoir pour pouvoir attaquer à la suite de ce dernier épisode, de ce qui devrait être le dernier épisode, parce que moi au moment où je le fais, je ne le sais pas encore. Et laisse-moi tranquille toi. D'accord, donc c'est une boîte 4, bien... Faire gaffe à pas se louper. Comme j'ai tendance à le faire. Allez, on va balancer. Ah ben j'en ai pas. Oh c'est con. La charge normale n'est pas activable. Donc c'est x2 ou x3. Eh ben on va balancer le x2 déjà d'entrée. Voilà, hop, comme ça on va prendre cette première place. Du moins j'espère. Ouais, j'avoue que c'est vrai que le fait d'avoir bien débloqué toutes les pièces constructeurs, ça aide quand même énormément. Hein. Et j'avoue aussi que le nitro en auto, je trouve que c'est pas mal du tout. Du coup, on n'est pas obligé de partir en drift et tout pour gagner le nitro. C'est plutôt intéressant. Parce que voilà, il y a des fois des virages qui nécessitent pas de nitro et on n'en gagne pas, alors que là, on en gagne tout le temps. Sauf forcément dans les virages, mais comme il y a des circuits où il y a beaucoup plus de nitro de ligne droite que de virages, c'est pas forcément utile d'avoir du nitro qui se charge que dans les virages. Hop, allez, ce virage-là, et après je balance un coup de nitro. Voilà, x2. On va presque plus balancer le x3, mais l'avantage d'avoir le x2, c'est que je pourrais rebalancer un coup de x2 après au besoin. Voilà, pour le moment, je devrais pas en avoir trop besoin, je suis relativement tranquille. Voilà, on négocie bien tout ça. Alors après cette course, pendant le menu, il faudra que je regarde quelque chose sur les commentaires du dernier épisode. C'est rare, c'est très rare que je réponde, que je réagisse de la manière à laquelle je vais réagir, mais je pense que vous allez comprendre. Je vais rien vous dire tout de suite. Vous comprendrez une fois la course terminée et que je pourrai aller sur l'ordinateur pour regarder exactement le commentaire. Faut que je le retrouve. C'est surtout le nom en fait, parce que le commentaire, je l'ai bien en mémoire. C'est surtout le nom de la personne qui m'a laissé ce commentaire qu'il faut que je me souvienne. Allez. T'inquiète pas,
t'inquiète pas ma chérie, je vais l'utiliser mais au bon moment. Voilà, là c'est le bon moment. Du moins, ça me paraît être le bon moment. Parfait. Et puis, une fois le prochain virage là-bas passé, je rebalancerai la nitro. On va pas la garder, ça sert à rien. Voilà, hop là. Bah, bien sûr, je suis trop rapide, je suis une bête. Hop. Finish, nickel. Alors, voilà, je vais en profiter vraiment pour regarder ce commentaire. Donc je vais sur ma chaîne. Ça m'empêche pas de valider les trucs, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que je regarde les commentaires que je m'occupe pas de la vidéo. Revenir au menu. Oui, ça c'est bon. Alors, où qu'elle est? Voilà. Alors, c'est Marsu Techno. Donc, Marsu Techno, je vais te répondre, je t'ai déjà répondu en commentaire. Hein. Si vraiment vous êtes curieux, bah allez voir donc l'épisode 13 de Ridge Racer 7 et regardez la page des commentaires et vous allez voir. Vous êtes nombreux à me demander de temps en temps, est-ce que tu peux pas faire une vidéo ou un let's play sur tel ou tel jeu. Si j'ai le jeu, je peux regarder, voir si ça vraiment je trouve intéressant de faire un let's play dessus, si je l'ai pas déjà fait à moitié ou quoi que ce soit. Mais quand je n'ai pas le jeu et que ce n'est pas, comment dire, une envie d'acheter le jeu, j'ai toujours répondu, bah écoutez, désolé, je ne l'ai pas. Voilà, comme vous êtes nombreux à me demander des fois d'acheter FIFA pour faire des vidéos sur FIFA. Voilà, j'avais choisi PES 13, je me tiens à PES 13, je n'ai pas trouvé FIFA pas cher d'occasion. Et donc du coup, bah, maintenant, ça sera ou FIFA 14 ou PES 14, faudra attendre. Je verrai peut-être pour prendre les deux même, vous voyez, je suis pas... Peut-être qu'à ce moment-là, je verrai pour prendre les deux. Mais par contre... Alors, Marsu Techno, qui m'a dit, fais un let's play sur Need for Speed The Run, s'il te plaît. Donc, j'ai répondu tout simplement, désolé, je ne l'ai pas, avec mon petit smiley habituel. Et la réponse à ce commentaire est, et alors, ça va te provoquer un cancer d'acheter un jeu. Alors, donc, j'y ai déjà répondu, hein, vous allez voir, j'ai répondu, pardon, tu sais que l'argent, je ne le chie pas, désolé pour la vulgarité. Non, mais attends, c'est quoi cette mentalité-là, tu te prends pour qui ? Alors, mon cher Marsu Techno, qu'on soit clair, je ne peux pas te dire exactement par rapport à Machinima ce que ça me rapporte. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, du moins dans un commentaire. J'ai un chien, vous savez, vous l'avez déjà vu en vidéo, un petit Jack Russell. Je peux me permettre, avec ce que je gagne de Machinima, de m'acheter deux paquets de croquettes de 2 kg pour mon chien. C'est tout. Ça ne me sert qu'à ça, l'argent de Machinima, parce que je ne peux pas faire autre chose. Je pourrais économiser hein, sur 3 à 4 mois et m'acheter un truc. Moi, ça me permet d'éviter de sortir mes sous à moi pour acheter les croquettes de mon chien. Donc, je vous laisse regarder, c'est 2 kilos. Je peux acheter 2 paquets, pas plus. Donc, je vous laisse aller regarder. Vous aurez à peu près le prix d'un paquet de croquettes. Vous verrez que je ne gagne pas énormément. Donc, quand j'achète des jeux, on va dire que c'est avec ma bourse. C'est avec les sous que je gagne en allant travailler tous les jours, mon cher Marsu Techno. Donc, si je n'ai pas le jeu et que le jeu ne me branche pas plus que ça, je ne vais pas aller l'acheter. J'en suis navré, je sais que certains vont être déçus peut-être de que je fonctionne comme ça, mais en même temps, je ne peux pas acheter tous les jeux que vous me demandez. Sinon, et d'une, je vais me ruiner, et de deux, je pense que madame ne serait pas forcément contente. Hein, parce que je ne suis pas tout seul, voilà, j'ai aussi une vie à côté, il faut aussi que je garde un peu mon argent pour tout, hein. J'ai de l'essence à mettre pour aller travailler, j'ai mon loyer à payer, j'ai plein de choses à faire, je n'ai pas effectivement que les jeux à acheter, déjà je pense qu'il y en a quand même pas mal sur ma chaîne, pas mal de récents que j'arrive à avoir, parce que sur PC, mine de rien, beaucoup me demandent pourquoi je joue sur PC, tout simplement parce que au lieu d'acheter un jeu 49 ou 59 euros sur PC, on peut acheter juste le serial et j'arrive à trouver par exemple Grid 2, je peux le trouver à 34 euros à la place de 50 voire 60 dans certains trucs. Donc ça me paraît beaucoup plus intéressant sur PC que sur console, hein, faut être honnête. Sur console, c'est 70 euros,
même un an après. Hein. FIFA 13, 9, il est encore quand même à 69,90€. Je trouve que c'est un petit peu abusé, alors que sur PC, sur Origin, pendant un temps avec 50% de réduction, il était à 14,90€. Donc, pour en revenir à mon cher Marsu Techno, bah écoute, si vraiment le fait que je ne puisse pas faire un let's play sur Need for Speed The Run, j'avais déjà testé la démo quand elle était sortie, j'avais trouvé ça sympa, mais je ne me voyais pas acheter le jeu. Ça n'a pas changé. Si vraiment tu veux voir un let's play, bah, je t'invite à aller, bah, je suis désolé, mais sur une autre chaîne. Et ce genre de commentaire là, honnêtement, la prochaine fois, je supprime. Vous me demandez, je réponds. Si toutefois ça ne vous convient pas, bah honnêtement, c'est pas la peine de me dire bah est-ce que ça va te provoquer un cancer d'acheter un jeu. Bah, mon cher Marsu Techno, je vais même dire mieux, si tu veux, bah tu me donnes les sous et je l'achète. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas Crésus. Encore une fois, je l'ai dit en commentaire écrit, moi le matin quand je vais aux toilettes, ce n'est pas des billets de 500 qui tombent. C'est comme vous, hein. Donc voilà pour ce petit point là. Je suis désolé d'avoir fait un petit monologue là-dessus, mais il me semblait important de mettre les choses au clair là-dessus. Donc voilà, j'espère que tu auras ce petit message, que éventuellement tu répondras en commentaire, mais attention à ta réponse, que voilà, je supprimerai si toutefois tu venais à être vulgaire ou on va dire arrogant, méchant ou quoi que ce soit. Hein. Honnêtement, déjà le coup du cancer, ça m'a pas forcément plu. Eh ben, je vais pas y arriver. Vous voyez, j'ai tellement été concentré sur ce que je voulais dire, je n'ai pas réussi à faire le chrono. Surtout, j'avais beaucoup de nitro, j'aurais pu le faire. Bon, enfin bon, bref. Allez, terminé avec ça. Donc, je peux fermer ma page internet et on relance la course et on fait ce qu'il faut pour passer. Il faut que j'utilise le nitro beaucoup plus que ça. Là, je l'ai pas assez utilisé. Ouais, je me demande... Ouais, hop. Allez, on va essayer quand même. Celui-là, je me suis bien loupé au démarrage. Rendez-vous à la ligne d'arrivée. Allez. Je perds du temps. J'ai perdu beaucoup de temps, là. J'ai fait un mauvais départ, déjà. Tant que j'ai un peu regagné, là. Voilà, dès que j'ai du nitro, il faut que je balance. Là, ça sert à rien. J'ai un peu d'avance par rapport à mon fantôme. Il va falloir que j'en prenne beaucoup plus. Voilà, allez. J'ai deux charges de nitro, donc autant en balancer une. Très bien. Je pensais avoir perdu un peu de vitesse. Ça va, ça s'est bien passé. Allez, on rebalance. Voilà, faut que je prenne beaucoup plus d'avance que ça sur mon fantôme parce que je devais avoir 2-3 secondes de retard. Donc, il faut que ça envoie du bois. Voilà, pour le moment, tout va bien. J'ai de l'avance. Allez, donc oui, c'est vrai que j'ai été très très concentré sur ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas à me demander, voilà, vous voulez voir éventuellement un let's play sur un certain jeu, ok, si je l'ai ou si c'est une possibilité, un jeu qui m'intéresse, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un jeu que j'ai déjà testé, en démo en plus, et qui à l'époque ne m'avait pas intéressé, si je vous dis que je ne l'ai pas et que je ne dis pas, bah écoute, pourquoi pas, ça peut être envisageable, voilà, venez pas me dire quelque chose comme ce que Marsu Techno m'a marqué, parce qu'honnêtement, ça va m'agacer copieusement. Et je finirai par ne plus répondre à ce genre de commentaires alors que, voilà, depuis le début, je réponds à tous les commentaires. Ça serait quand même bête que je ne réponde plus pour un commentaire comme celui-là. Ah, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que ça serait quand même bête. Allez, faut que j'arrive. Parfait. Voilà, j'ai perdu du temps. Aïe, 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 beaucoup trop de temps. Putain, j'ai touché, elle est pas partie, en fait. Elle n'est pas du tout partie comme j'aurais voulu, la voiture. J'avais anticipé le fait qu'elle parte en drift et elle a rien fait du tout. Allez, un petit coup de nitro. 30 secondes, ça va être chaud. J'ai fait 1-0-1.
Bon, je suis pas loin de l'arrivée aussi, hein, faut dire. Ça, moi, je pense que ça peut passer. Moi, je dis que ça peut le faire. Ouais, 10 secondes, non, ça va faire comme tout à l'heure. Allez, allez, au revoir. Top, putain, ça passe pas. Et vous savez quoi, ce qui me coûte encore, c'est le fait d'avoir tapé. Si je ne tape pas, je fais une 0-1 et je passe. Eh bé, là, il faut vraiment pas faire d'erreur. Et j'en ai fait beaucoup trop déjà, j'ai fait un départ pourri. Allez. Bon, allez, ce coup-ci, ça passe. On va tout faire pour... Vous savez quoi, je vais attendre un petit peu avant de balancer mon nitro là. D'en avoir un peu plus. Là, il est devant. Mon ghost est devant, mais ça pose pas de problème pour le moment. Et si je passe pas ma 7ème moi. Ah, voilà, voilà comment perdre du temps. Et décidément, je suis un peu à la rue là. Mais bon, c'est pas, regardez, j'ai du nitro, le tout c'est que j'arrive à repasser devant mon ghost. Et je pense que je vais y arriver relativement facilement là. Voilà, regardez, hop. Mais pourquoi il passe? Vous avez vu? J'ai freiné, elle a pas voulu. Elle est pas partie. Et ouais, du coup je perds un temps fou. Allez, un petit coup de nitro là. Et ouais. Du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Parce qu'encore une fois, elle est pas partie. Oh mais là je vais pas y arriver encore. Allez, on va garder un petit peu de nitro. Allez là. Voilà, c'est le bon moment. Après un petit coup ici, il faut vraiment que j'arrive à passer devant. Là, nickel. Ça passe. Ah, c'est ce virage-là qu'il faut que j'arrive à passer. Voilà, parfait. Après celui-là, il va passer tout seul. Celui-là, peut-être pas tout seul. Mais pas loin. Allez. Là j'ai encore du nitro. Moi je peux y aller. Ça va être dur hein. Et ben j'ai bien cru qu'elle allait pas tourner encore. Allez, un petit coup de nitro là. Faut que j'essaie d'en avoir quasiment jusqu'au bout. Et eh ben j'en serai pas loin. Ah, ça doit passer là normalement. Et encore, ça va être juste. Hein, ça va être très juste. Allez, ça va pas passer. 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben il m'aura fallu du temps, mais c'est passé. Parfait. Voilà qui se passe plutôt bien. Allez, on voit tout ça en ligne. Continuer, oui. Ah, par contre, le dernier, ils étaient très compliqués. En même temps, je me demande si j'avais vraiment amélioré jusqu'au bout la voiture. Je crois pas, mais bon. Vous avez gagné. Tant que j'en ai pas débloqué d'autres, tout va bien. Meeting Age. Circuit, ok. Garage, là par contre... Donc je suis obligé de prendre ça. Garage. Modification du moteur. J'ai le Zolgir, ça c'est bon. Pneus et suspension, ça on touche rien. Nitro.
On va prendre ça. Oui. Auto-charge. Oui. Et puis on peut lancer la course. Donc le dernier événement unique de l'UFRA. Il est là maintenant. J'espère que ça va bien se passer. Du premier coup, c'est vrai que les contre-la-montre, c'est toujours pénible en fait. Enfin, pénible. C'est toujours particulier. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut tout prendre parfaitement. Vous avez vu, premier coup, un virage tapé. Bon, voilà, ça s'est loupé. Deuxième coup, mauvais départ, un virage tapé. Il manquait pas grand-chose. Hein. Et troisième coup, bah, c'est passé. Bon, c'est vraiment, il faut vraiment tout donner. Être très, très attentif. Et surtout être attentif jusqu'au bout. Elle a un petit coup de nitro d'entrée là. Voilà, parfait. Ok. Allez, pour le moment, ça se passe bien. J'ai réussi à bien passer entre toutes là. Allez, je vais prendre un petit peu de sillage au possible. Voilà, là. Ouais, bah vas-y, balance, parce que je pense que quand je vais balancer le nitro, parce que toi t'en auras plus et que moi j'en ai encore à toc. Là, parfait. Je vais même avoir un peu de rab. Là, nickel. Allez, je balance une charge. Allez, une charge. On prend la première place, c'est fait. Ah, bien sûr. Allez, claque. Bon, bah, je pense que ça sera une course qui sera plutôt bien passée. Même plutôt très très bien passée. Alors, à moins qu'il y ait un meeting avec toutes les marques, c'est pas totalement impossible, un événement unique de l'UFRA. Je sais plus. Honnêtement, je sais vraiment plus, je me souviens plus. Hop là. Là, ça se passe bien. Parfait. J'ai encore le x2. On va balancer tout de suite. Regardez, nickel. C'est quand même mieux passé que la course d'avant. Parce qu'il n'y a pas eu photo. Et voilà. Allez, écoutez, pour le moment, on a fini toute la liste d'événements uniques que j'avais. On va voir si ça en débloque d'autres ou pas. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. J'irais même jusqu'à dire que ça m'étonnerait beaucoup, mais bon. On ne sait jamais. Continuons. Revenir au menu. Yeah. Bon, et ben si c'est le dernier, on va pouvoir aller lancer la course parce qu'on est à combien? 23 minutes. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Faites voir. Et bien, un événement unique, il n'y a plus rien. Ridge Racer Grand Prix. Et bien, on va aller lancer le dernier. Il y a combien de courses? 3 courses. Et on voit. Donc là, par contre. Ouais, voyons voir. Oui, et en plus, modification du moteur. On va prendre le Zolgir. Attends, on va se gêner. Pneus et suspension. C'est quoi ça? Faites voir. Ouais. Non, faut que je garde celui-là. 12 x 3. Enfin, plus 3. Ok. Et le nitro, on est en General Resource. Perfect. Eh bah écoutez, lançons ce dernier Grand Prix. J'espère réussir à le gagner sans trop de difficultés, ce qui nous pousserait à quasiment 45 minutes de vidéo, et ce qui serait même très 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 bien pour ce dernier épisode. J'avais dit qu'il y aurait un épisode un petit peu plus long que d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude je m'arrête à environ une demi-heure. Ben là, ça serait pas mal. 45 minutes, ça amènerait une belle, très belle conclusion à ce Ridge Racer 7. Déjà, il faut prendre un bon départ. Oh putain, ah, si ça va dans ce sens là, ça va aller à ce circuit.
Dans l'autre sens, avec la puissance qu'ont les voitures, ça aurait été un peu compliqué. Ouais, j'ai déjà deux nitro. Eh, c'est pas grave. Ok, j'ai tapé. Mais j'ai toujours mon nitro. Le tout, c'est de réussir à gagner deux courses. Au moins sur trois. Elles sont là. Bah, elles sont bien là, mais elles utilisent leur nitro que moi, pour le moment, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Et quand je vais le balancer en pleine ligne droite, voilà, ça va faire du tri. Ouais, je pense que je devrais quand même réussir à au moins gagner celle-là sans trop de difficultés. J'espère même celle d'après aussi. Ouais, nitro au max. Donc je pourrais même utiliser si je veux le x3, vous avez qu'à voir. Allez les filles, on se bouscule pas comme ça, on s'énerve pas. Quand j'aurai envie de vous laisser la place, je vous le dirai. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Là, je leur ai dit au revoir et à mon avis, au revoir pour un moment. Un petit coup de nitro là, histoire de reprendre un peu d'avance. Hop, 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 j'ai tapé. Ça va, encore. Facile. Tout se passe bien. Cette première course aura été relativement simple. Voilà, bah écoutez, hein, regardez. En avant Guingamp. Je vais attendre. Et une fois le dernier virage à entamer et même passer, je ne balance rien. Yep. Et voilà. Première victoire sur la première course. Ça aurait été très compliqué là, je vous l'accorde. Voilà, je pense qu'honnêtement, les Grands Prix sont pas faits pour amener de la complexité. La complexité, c'est les événements uniques de l'UFRA. Et encore, si on peut parler de complexité. Comment ça s'appelle? Les essais constructeurs, voilà. Vous pouvez très bien faire le jeu sans les essais constructeurs. Là, par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que je pense que si je prends pas une voiture à la base en dynamique, je suis pas sûr d'avoir la puissance nécessaire pour réussir à aller assez vite pour prendre l'avantage sur mes concurrents. Là, déjà, je vais partir premier, donc ça va être déjà différent. Là, si je prends des bons départs, ça va être assez. Hop, 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 hop. Eh, dis donc, hein. Putain, comment je me suis fait bouffer dans le premier virage, là. Oh, puis c'est celui avec plein de virages, là. Là, j'aurais peut-être dû garder le nitro normal. Parce que là... Oh, oui. Oh, la vache. Je pars un peu large, là. Ouah, ça va être chaud, hein. Eh, finalement, il y aura peut-être un petit peu d'intérêt. Le tout, c'est que j'ai un peu d'avance sur cet enchaînement de virages. Sinon, ça pourrait amener les choses un peu plus compliquées qu'à l'accoutumée. Merci. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je suis sorti si large. Eh, vous avez vu, j'ai même pas réussi. Bon, là-bas, je voulais pas forcément la pousser en dehors du truc, mais bon, il y avait des fois, hein. Un petit coup de pouce des voitures elles-mêmes, ça peut toujours aider. Là voilà, je vais avoir quasiment le x2 en nitro. Déjà j'ai perdu du temps là tout à l'heure, hein. Là déjà je l'ai pas perdu, donc c'est bon, j'ai même gagné du temps. Voilà, c'est là, toute la complexité elle est là. Elle va être de réussir à bien négocier toute cette série de virages, ce que je n'ai pas fait. Même pas fait du tout. Oh là 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 là, je me suis arrêté. Aïe aïe aïe, je suis dernier. Allez, là par contre, faut tout envoyer. Là, il n'y a pas le choix. Faut envoyer du bois. Bouge.
Allez, si je veux finir premier, ils vont avoir une chance. Ah putain, bougez! Putain, elle reste bien dans ma trajectoire, hein, ces petites cochonnes là. Allez, un petit coup de nitro encore. Bon, voilà. Elle repasse aux choses sérieuses. J'ai repris ma première place. Là, c'était chaud, hein. Honnêtement, en fait, je pense qu'on va trop vite. Elle va trop vite, en fait, la voiture pour ce circuit-là. Ah, ça va, j'ai réussi à bien enchaîner. Parfait. Du coup, j'ai tout mon nitro disponible pour la fin du circuit. Parfait, bon, voilà. Ouais, ça va être facile. Bon, bah, du coup, j'ai réussi à bien trouver le bon enchaînement au bon moment, dans le dernier tour. Ouais, nickel. Hop là. Ah, ça passe facile. Comme je dis assez souvent, c'est passé comme papa dans maman pour aller jusqu'à la victoire. Et ben voilà, deux victoires pour le moment pour Bibi. Tout se passe bien. Voyons voir, est-ce que c'est le même qui a fini deuxième? On va le savoir au nombre de points. Ouais, ouais, ouais. Donc là, faut au moins que je finisse. Huitième, c'est 4 points. Donc faut au moins que je finisse quatrième. Je pense que ça devrait être faisable de finir au moins quatrième. Même si j'ai un doute sur la course. Je me demande si c'est pas la plus dure. Le circuit sur le bord de mer, là, avec le passage un peu dans la nuit avec le tunnel et tout. Je crois que c'est celui-là. Il fait un petit peu inferno. Le nom, hein, en terme, c'est un terme. Je me demande si c'est pas ça le nom d'ailleurs. Ah bah non, bah c'est pas du tout celui-là. C'est sur l'aéroport. Oh, bien loupé. Je me suis bien loupé au niveau du démarrage. Waouh. Il me parle pas ce circuit-là. Dans ce sens-là, ça me parle pas. Mais je vais attendre un peu. Ouah. Ah non, ouais, ça me parle pas du tout ce circuit. Hein. Et je suis dernier. Donc du coup, il va falloir que j'envoie un peu du bois là. J'ai dit qu'il fallait que je finisse au moins quatrième. Hein. Allez, on va essayer de rattraper tout ça. On l'a déjà. Non, on l'a jamais fait. C'est... Ouah. Honnêtement, ça me parle pas du tout ce circuit là. Allez. J'ai du nitro. Oh putain. Ça va que j'ai le nitro. Et il est pas évident, hein. Bah écoutez, ça va être très difficile là. Et un septième. Waouh. Allez. Eh les enfants, bougez-vous. Cinquième, quatrième. Allez. Bouge. Troisième. Et je vais finir deuxième.
j'aurais pas gagné la dernière course. En même temps, honnêtement, c'est un circuit qu'on n'a jamais fait hein, depuis le début de ma série là. C'est la première fois que je le fais et il n'était pas évident. Bah écoutez, je pense qu'on est champion. Avec une seule course où on finit deuxième sur l'ensemble des courses. Je pense que c'est plutôt pas mal du tout. Bon, bah écoutez, voilà la petite cinématique de fin. Moi, je vais vous laisser en profiter. J'espère vraiment que ce let's play vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On se retrouvera donc très rapidement avec Grid 2. Donc, au moins le temps que je l'ai, bah, si je n'arrive pas à l'avoir pour vendredi prochain, ça sera pour vendredi d'après. Et si vraiment je n'arrivais pas à l'avoir pour vendredi prochain, bah, le vendredi, j'essaierai de trouver un petit substitut, peut-être du BF3, du PES, du NBA, je verrai bien. En attendant, bah, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc très vite avec un nouveau jeu de course sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bye bye.